Jésus-Christ. Il y a deux jeunes filles qui suivent d'un problème de sida. Vous avez honte. Je sens la guérison. Dieu veut vous guérir. Voilà. Deux soeurs, deux jeunes filles. Qui ont ce problème là du sida. Le sida, Jésus va vous guérir. Et pendant que je parle encore, Dieu me donne la révélation de quelqu'un, un jeune homme, qui souffre d'un problème de hernie étranglée et ça le fatigue. Tu es là, approche, je vais prier pour toi. Alors, je sens une grâce de Dieu sur vos vies. Vous venez. Je sens une grâce de Dieu. Vous venez d'où? Je irai. Je sens que Dieu va vous bénir puissamment dans le domaine du commerce. L'angolo conseil ira lui amener encore une part. C'est quand la conseil ira. C'est brouillé un peu. Mais vous serez un puissant commerçant. Vous continuez quand tu m'as pied, mais conseil moi ça donne. Puissant. Je reprends encore le problème du sida. Viens que je prie pour toi. J'ai déjà vécu ce problème ici une fois. Vous étiez tous ici quand je parlais. J'ai dit je vais prier pour toi et prendre le sida. Elle a négligé ça. C'est après elle est venue, elle est morte. J'aurais dit c'est fini. L'onction n'est plus là. Pendant que je parle, Dieu veut guérir. Puis au cas de vie, il y a un tas d'habits, le fou. Le bon. En un moment, il y a un problème au minutieux. C'est encore beaucoup de vie. Vraiment, il y a ça. Hernie. Problème d'hernie étranglée. Plus de problème, mais allez à Hernie. Bien. Ça fait combien de temps tu as ça? Oui, ça te fatigue. La toute dernière fois, c'était quand? Ça va partir au nom de Jésus. D'accord? Ça va partir. Je crois tellement. Oh, je maudis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence. La puissance de Dieu descend. Et l'Esprit de Dieu il chasse le mal au nom de Jésus. Maintenant, là où est la présence de la maladie, je te libère maintenant.
y a deux personnes qui ont un problème au niveau de la tête. C'est comme sous forme de papillon. Ça fait comme des papillons dans la tête. Viens que je prie pour toi. C'est un esprit de folie. Jésus te guérit. De Jésus, libérez-le, libérez-le au nom de Jésus, lâchez-le, lâchez-le, lâchez-le au nom de Jésus, lâchez sa tête, lâchez sa tête, lâchez sa tête au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâchez-le. Quelque chose en train de quitter ta tête, l'esprit en train de libérer ta tête. L'esprit en train de libérer ta tête maintenant. L'esprit libère ta tête maintenant. Quelque chose en train de se produire. Le miracle de Jésus-Christ dans ta tête. Le miracle de Jésus-Christ. L'esprit quitte maintenant. L'esprit te lâche maintenant. L'esprit te lâche. Il te lâche maintenant. L'esprit te lâche maintenant. Oui, l'esprit te lâche. Le feu. Le feu consume les œuvres, les ténèbres dans ta vie. Reçois ta délivrance. 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 Reçois. Reçois. Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. La puissance. Dieu veut te guérir. Ouais, il fait deux jours de jeûne. Il mange pas demain jusqu'à lundi. Il finit lundi soir. Allez, vous asseoir. Discontinue. Non, check. Ouais. Mais, non, j'ai pris pour deux personnes. C'est comme ça. Quand la révélation, ça, c'est pas pour beaucoup de personnes. Si c'était deux personnes, j'avais dit deux personnes. Ça va?
Ça va chez toi? Viens ici. Donne-moi une bouteille. Venez, donne-moi la rapidement. Toi, tu viens délivrer? De quoi? Tu es sorcier alors? Eh, moi, c'est sceptique au tac. J'ai posé une question. Je n'ai pas de réponse. C'est que tu ne veux pas répondre à ma question. J'espère qu'on ne dort pas. Alors, tu es concentré là, je sais pas. Vous êtes en vision, vous êtes en esprit. Vous faites des visions. Amen. Tu veux délivrer de quoi? Tu as ça? Ikagoué. Ah, moi, c'est ma question. Dégage! Dégage! Qui tu vas m'aller? Tu te poses une question, tu ne me réponds pas. Quitte, quitte, quitte! Je te pose une question, tu as ça alors? Dégage, 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 dégage. Eh, venez, venez, venez. Moi, je m'amuse pas pour les sorcelleries. Sorcellerie. Ça va? Donne-moi une bouteille. Le bon Dieu et les hommes, le jour tu retournes la sorcellerie, hein, t'as qu'à mourir. La Bible dit que c'est ta parole qui te condamnera et ta parole te justifiera. Le jour où tu retournes à la sorcellerie, le ciel même va envoyer la mort contre toi. Tu n'as qu'à souffrir avant de mourir. Souffrance, déchire sur toi. Asticot, ça sort de ton corps. Souffrance, puis tu meurs. Dis amen. Cette parole, le jour tu vas l'appeler, ça accomplira dans ta vie. Et c'est quand, pour dire quand tu fais rien, et placard non. Et c'est quand, poto poto. Vous voulez délivrer? Viens toi, tu es arrivé hier. Tu es arrivé hier. Oh. Et, ici là, ici là. Je ne suis pas vos camarades. Quand je vous pose question, ça veut dire qu'il y a besoin d'une réponse. Hein? Hein? Tu veux quoi? Tu veux délivrer? De quoi? La sorcellerie. Depuis quand tu as ça? Quand tu es au CMD, qui t'a donné ça? Comment elle t'a donné? Comment toi tu t'appelles? Ton nom déjà? Hein? C'est de quel ethnie? D'où? Oui, je voulais à Gondo aussi. Vous êtes du Bressé. Je ne vous ai pas posé, je ne vous ai pas demandé quelque chose. Hein. Laissez-moi travailler. Je ne vous ai pas demandé quelque chose. Je sais mieux faire ça que vous. Donc faut être spectateur, faut assister. Ah, il n'a pas la main, mais. Vous avez vos mains dans les choses que vous ne regardez pas. Comment tu t'appelles? Kondo Yabao Zénia. Maintenant, tu as quel âge? Tu avais quel âge quand tu étais au CM2? Au CM2, non. Tu avais quel âge au CM2? Voilà. Je parle à la question. J'aime bien les réponses. J'avais 16 ans. CM2? Et maintenant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 2 ans que tu es sorcier. Oui. Hein? Oui. Regarde-moi droit dans les yeux. Puis dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité.
La sorcellerie que tu as là, ce n'est pas sorcellerie de 2 ans. Moi, je connais vos bouches. Tant que vous n'avez pas menti, on ne peut pas aller d'un peu devant. C'est ça votre problème. Vous aimez mentir. Parce que l'esprit qui est en vous là, c'est un esprit de mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Vous allez se dénoncer. Je t'écoute, hein. Tout cela vient de Dieu. Pas dans la prière pour toi, non? Oui, ça s'abouteille. Mets-toi ici. Peut-être que je voulais moyer ta maman. On est la brésée, hein. Acheter pour moi. Oui, toi. Je vais t'expliquer ta sorcellerie. Comme tu as menti, tu es né pour toi. Maintenant, je rentre dans le domaine prophétique. Le prophète ne mène dans mon palais. Moi, je suis le maréchal, comme tu sais pas, de la brigade anti-sorcier. J'ai un détecteur de mensonges à moi. Blanc a fabriqué détecteur de mensonges. Vous avez pas ça? Qui c'est ça? Alors, il est là. C'est-à-dire, mensonge des Zadis, là. Blanc a fabriqué ça pour prendre ça. Ton mensonge est dans ton cœur, là. Il y a pareil pour prendre. Moi, j'ai détecté des mensonges. Hein? Tu es né pour toi. C'est à toi qu'il parle. Moi, ça, quand on dit, là. C'est ça? Oui. Hein? Oui. Wakale, on a mou. Tu fais quoi là? Oui, nous cala. Tu fais quoi là? Hein? Allez, va. Allez, ça t'a dit de venir. Dégage! On est d'accord, bien. Oui. Hein? Oui, quoi? Ah, et puis tu dis que c'est... Quand tu étais au CM2, tu voulais jouer un peu. Tu voulais jouer un peu. C'est toi qui les demande. Hein. Je peux te laisser prendre d'autres personnes. Hein. Tu es né avec. Waka, il y en a moi. Tu as tué combien de personnes? Quoi, Zondra, là? 7 personnes. Quoi, Boisson, Zondra, oh? 7 personnes. Oui. Vous êtes combien dans votre confrérie? On a une qui donne nous droit, elle est là. On a beaucoup de là. C'est beaucoup là, il s'est dit, c'est ça de combien? Mon grand-père est là. Hein? Il t'a gros coup d'eau. On réfléchit à dans la phrase. Zroa, elle est là. Vous êtes combien? On a beaucoup de là, on est 5. Hein? On le a Zouma, bringe-moi, Yina. Donne-moi le nom des 5. Ben, parle-moi aussi à nous. Hein? Mon grand-père. Je connais son nom. Akafou. Voilà, ta grande. Et Kofou, on oui, on t'écoute. Il y a son frère, il s'appelle Dre Djabali. Dre Djabali, on couvre. Et puis il y a un qui s'appelle Edris. Voilà, Edris, yo. Il y a un qui s'appelle. Voilà, bleu, you. Il y a un qui s'appelle. Dieu. Hein? C'est frère de you aussi. You, non, il le connaît. You, il n'y a pas de parle, non, il est million. Et toi, tu fais quoi parmi eux? Il y a un homme là, il est venu là. Je suis parmi eux, parmi les sorciers. On ne tient qu'un rôle là-bas. Il y en a un homme là. Maman, on m'envoie. Je suis avec les gars.